Voici le geste qui a officialisé ce samedi 13 janvier 2024 la mise en service de la promenade piétonne et des voies d'accès à cette promenade, des ouvrages réalisés dans le cadre du projet Porte Novo Ville Verte, un projet qui vise la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des populations de Porte Novo. J'ai le plaisir de vous rappeler quelques-uns des ouvrages. Il s'agit de la rue numéro 1, communément appelée voie de l'usine de la SBEE, sur un linéaire de 351 mètres. Il s'agit de la voie quittant le temple à Vessant et qui débouche à la lagune, qui est aujourd'hui assainie, drainée, pavée, éclairée et plantée, d'un linéaire de 410 mètres. Vous avez la rue 5.0 qui quitte le terrain Chagouri et passe au milieu des habitations jusqu'à déboucher sur la rue à Vessant. Après la réalisation des ouvrages d'assainissement, après que nous ayons senti les premiers effets des ouvrages, le maire a pris l'initiative de négocier et d'obtenir la réalisation des ouvrages d'assainissement sur un linéaire de 265 mètres qui quitte l'école d'Acron et qui débouche sur la lagune. Et présentement, vous avez dû le remarquer, il y a le raccordement qui se fait derrière le terrain Chagouri. Mais enfin, nous avons la rue du Palais d'été du Roi Tofa qui se dresse derrière nous sur un linéaire de 450 mètres. Alors ça, c'est ce que nous avons appelé les voies d'accès à la promenade qui sont aujourd'hui achevées. Tout à l'heure, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, accompagné du maire, on fait un petit bout de la promenade. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'aménagement des voies de la promenade en pavé sur un linéaire de 866 mètres, y compris le mobilier urbain. Il s'agit également de l'aménagement de 19 758 m² de nouvelles places le long de ce tracé, y compris la place que nous occupons aujourd'hui. Il s'agit de l'aménagement de 1 537 mètres linéaires de promenade sur platelage bois, fondation, de l'aménagement de 973 mètres linéaire de promenade sur platelage bois flottante ou sur pilotis, de l'aménagement et la construction de 5 embarcadères débarcadères et la plantation, l'aménagement des espaces verts ainsi que le reboisement des espaces naturels limitrophes. C'est au tour du Méchalmin Yankoti, suivi du représentant de la préfète de l'Oémé, d'exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance face à ce couronnement de plusieurs années de du labeur, un des résultats des efforts de la coopération décentralisée entre l'agglomération de Cergy-Pontoise, la métropole de Lyon et la ville de Porte Novo. Je voudrais reconnaître et saluer du haut de cette tribune le rôle prestigieux joué par le Fonds français pour l'environnement mondial et l'AFD pour avoir accepté de soutenir techniquement et financièrement ce projet. Je voudrais vous rassurer que nous en ferons un très bon usage. Et au nom de la population de Porto Novo, vous invitez à toujours nous faire confiance et à nous accompagner dans les projets futurs. Par la même occasion, je voudrais inviter mes compatriotes à faire véritablement bon usage, puisque j'ai pris un engagement en notre nom. Et cet engagement, il faut qu'on le tienne. Aujourd'hui, nous avons la première promenade de la sous-région. Et je pourrais aussi vous dire, c'est l'une des plus longues promenades au monde. Et je voudrais remercier nos partenaires pour nous avoir accompagnés sur ce projet qui rend aussi belle notre ville. Recevez ici toute la reconnaissance du conseil municipal de la ville de Porto Novo et de sa valeureuse population. En acceptant de financer ce projet, vous avez ainsi non seulement contribué à améliorer considérablement les conditions de vie des populations de la Bèche lagunaire, donné corps au concept de la ville résiliente, mais vous avez aussi permis de distinguer dorénavant la ville de Porto Novo en Afrique par sa magnifique promenade lagunaire. Madame la directrice adjointe de l'AFD, Monsieur l'ambassadeur, en prenant à témoin cette auguste assemblée, je demeure persuadé que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin avec la ville de Porto Novo. Oui, mesdames et messieurs, l'aventure doit se poursuivre pour valoriser la suite de la Bèche lagunaire Est vers l'Opodi, qui est une richesse naturelle exceptionnelle. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi ici de remercier le gouvernement français
à travers l'AFT et le Fonds français pour l'environnement mondial pour leur soutien technique et financier dans la concrétisation de ce projet innovant. Je puis vous rassurer qu'à la préfecture, nous porterons une attention très particulière à cette promenade lagunaire et à sa voie d'accès dont la gestion représente un nouveau défi pour la ville de Porto Novo. Je ne saurais finir sans exhorter la coopération décentralisée et les bailleurs ici présents à poursuivre l'aventure aux côtés de la ville de Porto Novo pour le bonheur de nos peuples. Séduit par ces réalisations qui valorisent le patrimoine culturel et naturel de Porto Novo, les différents partenaires techniques et financiers ainsi que l'ambassadeur de la France près le Bénin apprécient. Depuis 2018, l'AFD appuie le Bénin dans le renforcement de son potentiel touristique. Je pense au projet Réinventer la cité lacustre de Ganvier, mais aussi au musée des rois et des amazones du Dahomey et de la réhabilitation des palais royaux d'Aobomé. Ce projet PNVV constitue le premier exemple achevé de cette lignée de projets et illustre parfaitement ce à quoi le partenariat entre nos deux pays peut aboutir. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais terminer sans vous remercier, monsieur le maire, et sans féliciter vos équipes pour le travail accompli, en particulier l'unité de gestion du projet PNVV, représentée ici par monsieur Daniel Umpevi, son coordonnateur, que je vous demande d'applaudir encore une fois. De toutes les histoires d'amour, celle-ci est des plus belles. C'est une véritable histoire d'amitié entre nos pays, entre Cergy-Pontoise, la métropole de Lyon et Porto Novo, avec, je crois, une relation fraternelle avec monsieur le maire de Porto Novo. Trois mots me viennent à l'esprit, la confiance, la persévérance et l'exemplarité. Je crois que c'est ensemble que nous pouvons être exemplaires et susciter des vocations de manière à ce qu'un jour, la fraternité préside à nos actions collectives partout sur la planète, de manière à ce que la vie soit la plus agréable possible. Les personnes ici présentes, alors les habitants, j'imagine qu'ils la connaissent, cette promenade, sont invités à y passer. C'est magnifique pour les habitants qui sont là. C'est très très agréable et puis ça correspond en plus de protéger des risques d'inondation, de protéger tout un quartier et de désenclaver ce quartier puisque trois routes l'y amènent. C'est aussi dans la vision touristique du président de la République du Bénin, c'est aussi un atout supplémentaire pour Porto Novo parce que c'est vraiment par les températures qu'il fait un endroit apaisant de promenade. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, un hommage a été rendu à l'ancien maire de Porto Novo, Feu Moukara Mosseni, précurseur du projet. Par ailleurs, ces différents ouvrages érigés dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte pour le bonheur des populations seront bien entretenus. Un engagement de la mairie de Porto Novo.